adjoints, ils prenaient le poisson mâle et femelle. Ils sont une trentaine d'entrepreneurs congolais à bénéficier tous d'un financement à la hauteur de 500 000 dollars américains grâce au fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo par les truchements de sa direction générale sous le leadership de Laurent Muzamba Kompa. Cette deuxième cohorte d'entrepreneurs bénéficie de ces fonds pour booster leurs différents projets et proviennent des quatre provinces dont Kinshasa, le Grand Kivu, les Grands Équateurs et les Grands Kasaï. Ce geste posé par le FOGEC pour cette énième fois vient encore confirmer et matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de créer des millionnaires congolais. Le DG du FOGEC les a exhortés d'en faire bon usage car cet argent n'est pas un cadeau. Au travers de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, nous, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, sommes fiers de voir que nous réalisons ce qu'on promet et nous poursuivons notre mission. Eh bien, la vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais prend de plus en plus forme. En octobre dernier, pour la première cohorte, premier événement de la sorte, nous avons eu 10 PME, 10 entrepreneurs bénéficiaires, pour un montant total d'environ 150 000 dollars. Aujourd'hui, nous passons à 31 bénéficiaires pour près de 500 000 dollars de financement. En octobre, il s'agissait d'un financement direct du FOGEC. Aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec EcoBank, nos fonds vont servir plutôt de garantie et c'est la banque qui décaissera pour financer. Ces entrepreneurs n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de cette institution étatique. Quand on est venu nous parler du FOGEC, c'était Madame Sylvie dans nos incubateurs parce que je suis de l'incubateur Un Jour Nouveau. Sérieusement, on n'y croyait pas. On pensait que c'était l'un des projets qui finissent dans le tiroir. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les bénéficiaires de la deuxième cohorte du FOGEC. Pour ça, nous sommes infiniment reconnaissants au directeur et à toute l'équipe du FOGEC. Avant FOGEC, il était quasiment impossible d'avoir un prêt à la banque ou n'importe où. Pour des jeunes comme moi, parce que je suis jeune, j'ai 19 ans, maintenant, comme vous le constatez, c'est déjà possible et ça nous encourage encore plus, nous jeunes et femmes entrepreneurs. Les bénéficiaires sont issus de divers domaines, à savoir la cordonnerie, le service d'assainissement et environnemental, l'élevage, l'agroalimentaire, la menuiserie, pour ne citer que cela.